Le Seigneur est avec vous. Et avec vous, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Qu'il monte dans une barque où il s'assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur, il est sorti pour semer. Et comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin. Les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux et ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Mais le soleil en montant, ils ont brûlé. Faute de racines, les voilà desséchés. D'autres graines sont tombées dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffées. D'autres sont tombés sur la bonne terre. Ils ont donné du fruit. Raison de 100, 60 ou 30 pour un, celui qui a des oreilles. Qu'il quoi? Les disciples s'approchent de Jésus et lui disent, pourquoi donc tu parles en parabole? Il leur répond, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume du ciel, mais à eux ce n'est pas donné. Celui qui a, on lui donnera, et il sera dans l'abondance. Celui qui n'a rien, on lui enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter, sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Oui, le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils ont bouché leurs yeux. Pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas et qu'ils ne se convertissent pas. Sinon, je les aurais guéris. Je les aurais guéris. Je veux les guérir. Mais vous, bonheur à vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent, et parce qu'elles entendent.
Jésus parle bien. Oui, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Bonheur à toi si tu crois sans voir. Bonheur à toi si tu crois sans voir. Bonheur à toi si tu crois sans voir. Alors, on nous a dit hier qu'à Medjugorje, les sermons duraient 40 minutes en semaine. Alors, il ne faut pas être en reste sur nos frères de Croatie. C'est qu'il y a encore tant de choses à partager. Vous venez d'entendre le semeur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de sa maison. Voilà. Tôt le matin, nous, ce sera tôt ou tard l'après-midi. Mais nous allons sortir de notre maison, sortir de notre tente. Allez, semer, semer, semer tout ce que nous avons reçu. Et c'est parce qu'il nous faut semer à temps et à contre-temps, parce qu'il nous faut proclamer, même si notre parole se heurte à des oreilles fermées, même si notre lumière se heurte à des yeux aveuglés, nous irons semer, quelle que soit la terre où le Seigneur nous envoie semer. La semence est à moi, la moisson est à lui. Et c'est pour pouvoir semer que nous sommes venus pousser un peu plus profondément nos racines dans la terre de Dieu, dans notre héritage. C'est pour pouvoir semer que nous nous sommes laissés arroser et copieusement cette semaine par les eaux vives de l'Esprit. Et que cette eau, que cette pluie de grâce ne remonte pas sans avoir porté des fleurs et des fruits, et d'abord sans avoir germé. Pour certains, la plante n'était pas encore sortie de terre. Pour l'autre, elle n'osait pas grandir. Pour l'autre, elle était étouffée par les ronces de tant et tant de soucis du quotidien. Et Jésus a été le jardinier tout au long de cette semaine. Il a arraché les ronces. Il les a coupées avec sa petite... Non, il ne les coupe pas, les ronces. Il les arrache, parce qu'il ne veut pas qu'elles repoussent. Voilà, bon jardinier, hein. Et il a les mains toutes blessées. Tiens, j'avais jamais pensé à... C'est pour ça qu'il a les mains toutes blessées, toutes pleines de sang. C'est à force d'arracher des épines, des ronces. Vous voyez, parce qu'il en a marre de nous voir toujours écorchés vifs. Et il ne veut plus que nous soyons des écorchés vifs par toutes ces ronces de notre vie. Et il les arrache. Et il va continuer son travail. Parce que ce n'est jamais trop achevé, parce que c'est les semences, hein, ça recommence, ça retombe encore. Hein. Jardinier, moi j'ai été jardinier pendant 30 ans dans ma communauté, hein, je suis spécialiste en jardinage, en potager et tout ça. Bon, et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il y a les ronces, oui. Et cette terre dont nous manquions, il est venu nous l'offrir. Cette terre toute superficielle auprès du rocher, il a amené son bulldozer pour certains. Pour d'autres, c'était sa petite pioche, sa bêche, il travaille différent pour chacun. Et il a ôté ces grosses pierres qui faisaient que dès qu'il y avait un peu de soleil, tout étouffait. Et il nous a apporté de la terre, Marie nous a apporté sa terre, sa bonne terre. Et c'est ainsi que nous devenons un jardin
et un jardin, cela embaume. Nous avons respiré cette petite icône avec cette odeur du ciel, ce parfum du ciel sur la terre. Et il faut que toutes nos familles, nos communautés, nous devenions tous, partout, nous sommes et chacun de nous une petite porte du ciel qui émet son parfum, qui émet son parfum parce que les fleurs sauvages ou civilisées, comment est-ce qu'on dit en termes techniques, enfin sauvages, hein, eh bien, que toutes les fleurs, quelles qu'elles soient, portent leur parfum et aussi leurs fruits, pour ceux qui doivent porter des fruits. L'autre jour, on me disait hier, racontait quelqu'un qui a été changé, il y avait des roses et il a été mettre des pissenlits. Tellement il trouvait les pissenlits de toute beauté. Et c'est vrai qu'un pissenlit, apparemment, c'est pas spécialement... Si, c'est admirablement beau. Si tu regardes le pissenlit dans l'axe du soleil, tu te mets juste comme ça, juste et au soleil levant, tu vois ce petit pissenlit que tout le monde écrabouille si facilement, on ne fait même pas attention, on marche dans les champs sur le pissenlit, et voilà que le pissenlit est d'une splendeur, on dirait un soleil, et il te voile, mais légèrement seulement, la splendeur du soleil. Est-ce que tu regardes ton frère, le plus pauvre, le plus méprisé, le plus seul, dans l'axe de ton soleil, dans l'axe de ton soleil, comment veux-tu regarder ton frère, en recevoir de la lumière si tu ne projettes pas la lumière qui t'habite sur lui? Je lisais l'autre jour dans un interview de Nana Mouskouri, vous voyez tout ce qu'il sait, une petite chanteuse grecque. Alors ses chansons, c'est plein de la lumière de sa Grèce natale. Et elle dit ceci, le plein soleil, ça c'est pour le paradis. Bon, on sait ce que c'est, un très simple. Bon. En attendant, ensoleiller les jours et les gens, ça, c'est à nous. Ensoleiller les jours et les gens. C'est à nous de faire du soleil quand le temps devient gris et mauvais. Voilà. Je suis dans ma loge, au théâtre, je me prépare à aller chanter. Il est là. Je ne suis pas seul. Si je suis heureux, je lui donne des sourires du dedans. Voilà. Si tu souris à Jésus gratuitement dans la prière, ton sourire à ton frère. On entendait parler de Thérèse qui faisait son plus beau sourire, qui le gardait, qui le réservait. Comme une fiancée, un fiancé veut se garder tout entier dans la lumière pour son épouse. Thérèse qui gardait son plus beau sourire pour la plus blessée, la plus seule de ses sœurs. Je lui donne des sourires du dedans et ainsi je ne me suis jamais sentie sans Dieu. Donne-lui des sourires du dedans. Et le continuum, on ne peut pas toucher Dieu avec les mots ou avec les mains, mais ma foi, c'est ma main pour toucher Dieu. Ma foi, c'est ma main pour toucher Dieu. Vous voulez répéter cette phrase? On va faire comme à l'école. Ma main, c'est ma foi pour toucher Dieu. Je pense... Comment ça, c'était bon? Et qu'est-ce que j'ai dit? Et j'ai dit quoi? Eh bien, c'est peut-être pas si mal que ça. On va comprendre plus tard ce que c'est. Je pense que croire en lui, c'est faire assez pour qu'il croie en moi. C'est génial, c'est génial. Faire assez pour qu'il croie. Lui, ma confiance, c'est faire assez pour qu'il ait, lui, confiance en moi. Ça, c'est une jeune chanteuse grecque. Et alors, j'ai retrouvé le texte, voilà, de cette brave vieille mémé de Nantes. Écoutez, c'était bien plus beau que ce que je m'étais souvenu. Et elle dit, tous les matins, je dis quelques phrases. Esprit créateur, ouvrez-moi à la lumière. À mon âge, dans le peu que je sais, que je suis, que je vois, qui m'arrive, je trouve une lumière. La vieillesse, c'est un jeunissement, un ressourcement. Au grand âge, on peut être une terre qui fait germer sa semence. Avant d'entrer dans le grand jardin. Voilà. On est constamment recréé. Et après le ressourcement, il y aura un moment où l'on se trouvera tous dans la résurrection. Je voudrais que tous ceux-là voient la lumière. Que tous, qu'il n'y ait plus d'oreilles qui se bougent, qu'il n'y ait plus de boules cuillères dans les oreilles, qu'il n'y ait plus de trucs noirs devant les yeux. Que tous soient dans leur lumière.
Oh, vieillesse bénie, ce n'est jamais la fin, c'est toujours le commencement. On se connaîtra en vrai, et pas seulement en image, en magnétophone. Vous savez, dit-elle à la télévision, vous savez, c'est très, très profond, un vieux cœur. Ça a eu le temps de toute une vie de laisser Jésus ôter les pierres les unes après les autres. Et la terre s'approfondit et tes racines, parce qu'elles ont de la terre, continuent à pousser. Et puis, au dernier matin, Jésus qui te dit, « Oh, dis, j'ai faim. T'as pas une petite pêche, là? T'as pas une orange? T'as une petite orange, hein ?» Alors, hein, si tu dis, « Mais oui, j'ai une orangée dans mon cœur, mais... » Mais voilà, le problème, ouais, c'est ça, c'est que j'avais pas assez de terre, c'était trop caillouteux. Il y avait bien du soleil, mais il y avait trop de terre. Hein. Voilà, pas assez de terre. Hein? Et j'ai pas pu pousser mes racines. Voilà, enfonce tes racines. Un vieux cœur, c'est très profond. Et c'est parce qu'il est profond. C'est un cœur tout jeune, tout neuf. Et voyez, il vient de dire qu'au ciel, on va tous se voir d'un coup. Vous vous rendez compte? Nous sommes ensemble depuis une semaine. Bon. Alors c'est très beau au long d'une semaine. Je préfère de beaucoup, beaucoup, comme ça, une retraite de toute une semaine plutôt qu'une session de 3 jours. Parce que là, ici, on a le temps de se connaître un peu, de se rencontrer. Il suffit de regarder, vous verrez tout à l'heure, en sortant à la fin, vous allez, enfin pas compter un par un, mais voir un peu quels sont les visages qui, au début de la semaine, ne vous disaient rien du tout. C'était des étrangers, hein, je ne sais pas. Et déjà maintenant, vous savez... Qui sait, vous savez son nom, vous savez quelque chose de sa vie. Et moi, d'enseignement en enseignement, ça me bouleversait beaucoup, beaucoup, parce que il y avait chaque fois 10, 15, 20 visages de plus qui me disaient quelque chose, sur lequel je peux déjà mettre un nom, où je sais sa situation familiale, son problème. Voilà, voilà. Et je fais une petite parenthèse pour vous demander pardon, mais vraiment pardon, pour tous ceux que je n'ai pas pu recevoir et qui auraient voulu me voir. Pour tous ceux qui m'ont écrit des lettres que je n'ai pas encore pu lire. Vous savez que chaque fois, en revenant d'un enseignement, je trouvais à ma porte 10, 15, 20 petits billets. Alors c'était toujours mon problème continuel. Est-ce que je vais prendre du temps pour lire toutes ces lettres et ces billets? Mais alors c'est du temps retiré à des gens qui veulent me voir ou vice-versa. Pas évident, parce que j'ai un corps et il faut que je dorme un tout petit peu pour pouvoir te lire debout le matin. Et mes heures n'ont pas plus de quoi? Qu'est-ce que ça? 1h60, c'est ça? Et mes minutes n'ont pas plus de 60 secondes. Ce sont les mêmes minutes et les mêmes heures que les vôtres. Vous voyez, je ne vis pas encore dans l'éternité. Alors vraiment, je vous demande pardon, mais je vous promets que je vais lire toutes vos lettres à mon retour, peut-être dans la voiture, le train, mais je lis tout. Et à mon retour, j'en parle à Jésus, de chacun. D'ailleurs, quand je célèbre la messe seule en ermitage, je pose chaque lettre sur le calice, puis je dis à Jésus, écoute, moi, je ne peux rien faire pour lui ou pour elle. Mais toi, tu te débrouilles, toi, tu es auprès d'elle et tu restes auprès de lui, etc. Voilà, puis Jésus fait son travail comme il veut. Bon, alors ça, c'est une petite parenthèse pour vous demander pardon. Voilà, je n'ai pas pu être tout entier à tous. Parce que ça, c'est le ciel, c'est le ciel complet. Et ça va être fabuleux. Mais vous vous rendez compte, on va se trouver, non pas avec 500 personnes, mais avec des millions et des millions, avec un contact immédiat, direct. Rien qu'en un clin d'œil, tu sauras tout de la vie de l'autre. Ce sera une transparence totale et absolue. Mais est-ce que vous rendez compte comme changement, ce que ça représente comme changement? Après tout au long d'une vie, avoir vécu ce problème de relation, que tu ne peux pas être tout entier donné à chacun, hein, soit parce que toi tu es fermé, soit parce que lui est fermé, soit que vous n'avez pas le temps, etc. Et on est tout le temps dans cette opacité. Et alors ça va être cette transparence mutuelle. Mais ça va être fabuleux. Et nous devons être tout excités. Vous savez, comme un gamin qui va partir en vacances, là, qui va aller passer les vacances en Pologne, comme ça. En nous réjouissant de ce que ça va être. Que cette communion mutuelle d'une intensité fantastique, à tel point que l'amour le plus profond, le plus intense, en défiancé entre des époux, même après des années de fidélité et d'amour mutuel, ça pâlit devant ce que sera cette immédiateté de communication. Oui,
Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est en vous voyant, parce qu'il y en a beaucoup, hélas, justement, que j'ai pas eu le temps d'entendre, mais ce sera pour le ciel. Alors, alléluia, merci Seigneur. Alors, je voudrais partir de deux mots d'enfants, qui ont, pas d'enfants, mais qui ont été reçus pour nous dans l'évangélisation et les groupes de compassion. L'évangélisation, je crois que c'était Stéphane qui nous le rappelait, je ne sais plus qui a entendu cette réflexion dans la rue, « Mémé, écoute l'Église qui chante. » Mémé, écoute l'Église qui chante. Une prophétie pour notre départ de retraite. Mémé, écoute l'Église qui chante. Est-ce que vous allez être l'Église qui chante? Est-ce que vous allez être le peuple des béatitudes? Parce que les béatitudes, c'est une chanson d'amour. Et si tu ne les chantes pas, tu ne peux pas les vivre. Ce n'est pas des mots, ce n'est pas des paroles, c'est une symphonie. Est-ce que vous voulez être, oui ou non, l'Église qui chante? Et qui chante partout où un homme ne chante plus ou ne chante pas? Qui veut être l'Église qui chante l'amour là où l'amour n'est pas aimé? Oui? Quel oui d'une faiblesse, mais... Ah, bon, ah, commence. Hein, parce que Jésus dit oui, oui ou non, non. Alors, je préfère entendre un non plutôt qu'un oui. Bon. Alors, dites carrément non si vous ne le voulez pas. Oui, au moins, il faut être franc et vrai. Alors, comment est-ce qu'on fait chanter les béatitudes? Nous avons entendu chaque thème, ces 8 thèmes qui se succèdent dans la symphonie. Eh bien, il n'y a pas de symphonie sans voix différentes, sans instruments différents. Est-ce que vous êtes prêts à être des orchestres itinérants? Oui? Orchestres itinérants? Avec saxo, guitare, flûte traversière, hein? Tout et tout. D'accord? Vous les jeunes, vous êtes d'accord pour ça? Eh bon. Et c'est pourquoi dans chaque groupe d'évangélisation, il fallait au moins un instrument de chant. Sinon, ça ne marche pas. Ou très mal. Voilà. Et ceux-là, ce sont justement les communautés et surtout la petite église familiale où dans nos différences et nos complémentarités, on s'harmonise. Et c'est pourquoi je disais hier aux jeunes que avant le mariage, avant d'entamer pour de bon une symphonie qui ne finira plus, on accorde ses instruments. On accorde ses instruments. Accordez-vous les uns aux autres pour être accordés au cœur de Dieu. Au cœur de Dieu, accorde ton cœur. Répétez cela. Au cœur de Dieu, accorde ton cœur. Oui, c'est l'école de Jésus. Alors, chantez les béatitudes ensemble. Je voyais ce cardinal, par indiscrétion, je ne dis pas son nom, mais qui est archevêque d'une grande métropole, et qui me disait, tu sais, mon rêve, c'est de vivre, moi, cardinal, de transformer mon archevêché en une communauté de vie avec des couples, des enfants, des personnes âgées, que tous les états de vie soient là avec moi. Et comme ça, quand je rentrerai le soir épuisé par mes tournées d'évangélisation, eh bien, je pourrai refaire mes forces. Les enfants pourront prier sur moi. Les couples pourront m'apprendre ce qu'est la Trinité Sainte. Voilà un cardinal qui a le sens de l'Église. Et que ce sera beau quand tous nos presbytères, autour du prêtre tout seul, pas autour d'eux, le prêtre avec des couples, des personnes, des enfants, des personnes âgées, vivront autour de Jésus. Amen. Voilà. Quand chaque presbytère sera un foyer de charité, on supprimera les foyers de charité. Amen. Voilà, gloire à toi, parce que c'est ça l'avenir du monde, c'est de multiplier par milliers les petits foyers de charité. Il n'y en a pas assez, et vous verrez dans tous les presbytères des rassemblements comme les nôtres, et la messe de chaque paroisse deviendra comme cette messe-ci chaque dimanche matin, et alors il y aura moins d'orphelins qui se donneront la mort dans ta rue, parce qu'ils n'auront pas vu la lumière briller dans la maison, et ils seront restés à mourir de froid dans le brouillard. Je connais une petite communauté en Belgique, Tibériade, je crois que j'ai raconté l'an dernier, fondée par ce jeune garçon à 9 ans. Le Seigneur s'y prend tôt. Il y a des fondateurs de 9 ans maintenant.
Seigneur, tellement pressé qu'il ne va pas attendre quelqu'un à 14 ans, 25 ans pour faire une fondation. Alors là, il a pris un garçon à 9 ans. Voilà. Et toute sa passion, c'était d'allumer des feux tout seul dans la nuit, dans les bois de son père, à la terreur des pompiers, etc. Alors il partait le soir, il allumait des feux. Allumer des feux, 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 allumer des feux. Et il avait ça mois après mois, jour après jour, après jour tout à fait, mais semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et voilà que maintenant, il a une communauté qui est un foyer où brûle un tel feu que des quantités de paumés, d'orphelins de notre temps viennent refaire, viennent se réchauffer. Ils sont tellement réchauffés qu'ils les renvoient deux à deux, comme ça, et vont le porte-à-porte dans les villages, auprès des familles et des presbytères. Auprès des presbytères, il faut dire aux prêtres qui sont tellement seuls et tellement découragés parce qu'il n'y a personne à leur messe et tout ça, pour leur rendre l'espérance. Et puis dans les familles, il reste autant de jours qu'il faut jusqu'à ce que la famille soit devenue un foyer de charité et de lumière. Alors ils font le boycott, ils disent, bon, on part, enfin ils ne disent pas tout à fait ça comme ça, parce qu'il faut aller en douce, mais enfin c'est ce qu'ils pensent, on ne quitte pas votre famille avant que votre famille ne prie tous ensemble. Voilà, parents et enfants. Voilà, tac, puis après... Quand le feu est allumé, toc, famille suivante. Et de famille en famille, ils allument des feux, des feux, des feux, des feux, des feux, des feux. Voilà. Voilà. Alors, c'est ce que nous devons faire. Et pour allumer ces feux, il faut resplendir. Il y a une petite sainte dont je n'ai pas eu le temps de parler, c'est Jane, qui est, je croyais que ses parents devaient venir, alors j'attendais jusqu'au dernier jour pour que ses parents nous en parlent. Et Jane est partie au Seigneur à l'âge de 19 ans. Elle se dorait un jour sur une plage. Et elle regardait ses jambes et elle dit, Seigneur, sois béni pour mes jambes sont tellement belles, qu'est-ce que mes jambes sont belles, merci Seigneur. Voilà, ça c'est l'action de grâce pour ce qu'on est, même, et surtout, pas surtout, mais pour notre corps. Bénis le Seigneur pour ton corps, surtout si tu es mal dans ta peau, si tu as honte de ton visage. Béni sois-tu Seigneur pour le visage que tu m'as fait, je te glorifie, mais rends-le un peu plus lumineux. Alors elle bénit pour ses jambes. Et voilà qu'un mois après, on doit l'amputer d'une jambe. Et c'est après son amputation, quelques mois avant de partir vers Dieu, qu'elle ose écrire ceci à une de ses amies. Je t'envoie un grand sourire du plus lointain de moi-même, un sourire qu'on écoute. La joie, c'est ma raison de vivre. La joie, c'est ma raison de vivre. Ce qui me fait écumer ces derniers temps, ce n'était pas tant d'être triste personnellement, mais de voiler aux autres la lumière que je découvre à chaque instant dans ma vie. Je voilais la lumière que je découvre dans mon cœur, dans ma vie. Ne voile pas ta lumière pour que le voile tombe des yeux aveuglés. Aimer sera la lueur claire et resplendissante de ma vie. Voilà encore une belle phrase à apprendre par cœur. Aimer sera la lueur claire et resplendissante de ma vie. Aimer sera la lueur claire et resplendissante. Merci de nous avoir créés imparfaits. Comme ça, on n'est jamais au bout du chemin. Et elle achève en disant, j'ai envie de créer, soyez créateurs, et de donner tout ce que je possède de plus précieux au monde, Dieu et moi-même. De donner Dieu en me donnant moi-même. En me donnant avec lui, en me laissant entraîner avec lui. Je suis tellement heureuse. Pourquoi ? Simplement parce que la vie est simple, tellement claire et profonde. Et vous voyez, on peut ensoleiller les autres silencieusement. Pendant tous mes enseignements, j'étais ensoleillée par notre petit frère de Pologne, qui est là. Tu te lèves. Dzień dobry. Bonjour, c'est ça. Dzień dobry, voilà. Lève-toi, qu'on te voit. Voilà. Eh bien, vous voyez, notre petit frère, il ne parle pas un mot de français. Et moi, je ne parle pas polonais. Sinon, dziękuję bardzo, puis des petits trucs comme ça. Bon. Alors, il n'y avait aucune communication. Et c'était dur. Moi, j'avais envie de tout savoir de lui. Puis impossible, je ne sais même pas comment il est là. Il est vraiment tombé du ciel, comme ça, je ne sais pas. Il était tout seul. Il y a juste un autre petit garçon qui parle un peu polonais. Pendant toute la retraite, il a été tout seul. Eh bien, moi, je peux vous dire, il m'a ensoleillé tout le temps. Merci. Il m'a ensoleillé. Sans mots, sans une parole. Voilà. Alors, il ne comprend absolument pas pourquoi vous applaudissez. Il se demande, qu'est-ce qui lui arrive, là.
Il faudra que son petit camarade lui traduise. Hein. Son petit camarade est là pour aller lui expliquer où est-ce qu'il est. C'est toi qui parles polonais. C'est toi. Non, il y a un autre garçon qui parle polonais. Bon, enfin, peu importe, tu expliqueras après. Alors, encore vous dire ceci. C'est l'autre parole qui nous a été donnée, et c'est dans les groupes de compassion. Moi, je ne vais pas à l'église, alors c'est l'église qui vient à moi. Quand l'église chante, elle est propulsée vers ceux qui ne chantent pas. On ne peut plus se taire. On ne peut plus se taire. Écoutez, Myriam, encore un mot d'elle. C'est vrai, ça m'arrangerait de laisser tomber Jésus, mais c'est impossible. Je suis liée à lui pour ma vie. Et laisser tomber Jésus, ce serait se taire, ce serait ne plus vivre. Or, je veux vivre, et surtout ne pas me taire. C'est incroyable quand même, tout ce qui se passe, aussi bien ailleurs qu'en France. Ah non, tu vas voir, ça ne va pas se passer comme ça. Depuis le temps que je m'égosille à dire qu'il faut se bouger, vivre par-dessus les menaces, il serait temps de réagir. C'est vrai, c'est pas facile. Il faut le faire, coûte que coûte. Il faut bien se dire que rien n'est impossible, même pas vivre. Satan se fout de moi à jouer son petit jeu de guerre, de massacre. Je le vois bien, mais il n'est pas question qu'il continue. De toute façon, cette situation de violence ne va pas durer longtemps, crois-moi. Et il sera un jour ou l'autre, le Satan, pris à son piège. Non. Avant d'appeler à l'amour, j'en appelle à la non-violence. Elle a 15 ans. Je ne crois pas seulement en Dieu, je suis révoltée par tout ce qui se passe. On vit dans un monde de délire complet. Je suis très têtue, tu sais, et j'irai têtue comme Thérèse de Lisieux était têtue. Et j'irai jusqu'au bout, car le bonheur est permis à tout homme. J'irai jusqu'au bout de mon témoignage, car le bonheur est permis à tout homme. Le bonheur des béatitudes. Arabe ou non, analphabète ou intellectuel, c'est vrai qu'on est mieux dans un lit bien chaud qu'en train de se battre contre des choses intolérables, c'est vrai. Et pourtant, quand on sait la torture, peut-on dormir tranquille? Et c'est pourquoi il nous fallait des nuits très brèves à Tressin et beaucoup veiller, parce qu'on ne peut pas dormir tranquille quand on sait que tant d'hommes n'ont pas de bras et de poitrine sur laquelle se reposer et entendre battre un cœur. Et elle continue. Alors raconte une chose qui s'est passée en classe, et elle dit, alors, sous ce prétexte qu'il y a toujours eu des injustices et de la violence, on va tolérer l'injustice actuelle, on va accepter la mort d'enfants, de parents, de vieillards, de jeunes, c'est inadmissible, c'est la solution de facilité. Fiche-moi la paix et je t'embête pas. Incroyable, dans notre 20e siècle soi-disant évolué. Quand je pense que chacun a le droit de vivre et que ce droit est si bafoué. Non, je ne rêve pas quand je dis qu'il est temps encore de tout changer. J'ai peut-être l'air d'une idéaliste. Je dis simplement ce que je pense et ce que je crois. Alors, je te promets qu'un jour viendra où la violence n'existera plus dans ce monde. Ce monde si déchiré, qui n'a besoin que de l'amour d'un enfant pour se réjouir. Ce monde si déchiré, qui n'a besoin que de l'amour d'un enfant pour se réjouir et devenir un éternel soleil. Je lui offrirai cet enfant parce que si j'ai si mal en voyant la blessure des hommes, c'est que je suis en train de porter et d'enfanter cet enfant. Est-ce que vous êtes en train de porter Jésus? Est-ce que vous êtes en train de l'enfanter, l'enfant soleil? Le roi soleil. Et il achève sa dernière phrase. Peut-être aura-t-il le visage d'un soleil, mais n'est-ce pas cela un enfant? Alors, comment les apôtres, les jeunes apôtres de l'amour, déjà nous évangélisent? Et je voudrais rappeler ce mot admirable de Dieu. Vous savez, Dieu l'an dernier, qui, quand on célébrait l'Eucharistie finale au sommet de la colline à Léon, est venu spontanément au micro, a dit une chose que même son père adoptif, Jean-Claude Didelot, ne savait même pas. Et nous avons tous été les premiers à être mis dans le secret. Il a dit, pendant cette retraite, j'ai décidé de recevoir le baptême. Vous vous rappelez?
Eh bien, je viens vous annoncer que la nuit de Pâques, dans la cathédrale de Saint-Brieuc, il a été baptisé par son évêque. Gloire au Seigneur, pour Dieu. Et c'est Dieu qui témoignait à Saint-Brieuc, à la fête de la vie, il y a un mois ou deux. Je sais, moi, que vivre, c'est plus difficile que mourir. J'ai vu au Cambodge les enfants lutter pour la vie. Ici, les enfants ont tout ce qu'il faut et luttent pour la mort. Pourquoi ici, où il n'y a ni guerre ni faim, on détruit la santé, on se dégoûte de vivre? Qui va leur apprendre que la vie est belle? Est belle? Sinon, ils vont tomber dans la haine, la violence. Moi, j'ai vu cela à 12 ans. Tous, nous devons refuser cela. Tu refuses cela, moi je refuse cela. Il ne faut pas se taire devant ce mal où le monde s'engloutit. Notre cœur parle vers un monde plus beau. Non, nous sommes nés pour vivre. Nous sommes nés pour vivre. Le message du Cambodge à l'Europe. Nous sommes nés pour vivre. Je vous écoute. Nous sommes nés pour vivre. 18 sur 20. Voilà. Alors, et après avoir donné ce témoignage, sa voix qui commençait à être étouffée par les sanglots, à tel point que son évêque qui était à côté de moi s'est mis à sangloter d'émotion. Tout à coup, on croyait que tout était fini. Il a repris le micro et il a dit, l'an dernier à Tressin, nous avons chanté un chant qui est devenu le chant de ma vie. Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Debout, allez-y. Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie. Sois béni de cacher ce mystère au puissant, de révéler aux petits l'incroyable amour de ton cœur de père. Je suis venu pour la vie, je suis venu. Polonais qui m'ont appris le sens de ce V, qui est le V de la vérité, le V de la vie, le V de la victoire qui est toujours la vérité, et le V de la Vierge Marie. Bravo, je n'avais pas pensé, je l'apprends après ça. Et enfin le V de la vitesse, parce que le Seigneur est impatient de transmettre sa vie. Amen. La parole, la parole, la parole.
le Seigneur me donne de recevoir ma vocation de ses propres mains. Me donne de recevoir ma vocation de ses propres mains. Quelle joie de penser que tant d'hommes perdus sont devenus des saints pour toute l'Église. Et la tentation est grande de ne pas regarder assez le visage du Seigneur, plus beau que nos misères. Il y a en moi des zones non consacrées au Seigneur. Alors, frère, prie pour que je ne gâche pas le don ineffable de Dieu en moi et que je devienne un instrument entre ses mains pour conduire des âmes à l'unique source de vie. Il faut que nous coalisions nos forces contre le démon en laissant le Seigneur le vaincre en nous, car tout ce qu'il fait est admirable quand on y consent. Oui, Seigneur, tu as un grand désir que chacun de nous, dans son état de vie, renouvelle la modulation particulière de l'engagement de son baptême. Nous sommes tous baptisés, c'est notre gloire. Les uns sont serviteurs dans le mariage, d'autres sont serviteurs dans le célibat, d'autres sont serviteurs dans la vie communautaire, d'autres sont serviteurs dans le sacerdoce. Chacun, selon son état de vie, va être amené à renouveler son engagement. Alors, nous commençons par ceux qui sont engagés dans le mariage et qui sont là avec leurs conjoints. Nous leur demandons de se lever. Oui, Seigneur Dieu, notre Père, en ses frères, en ses sœurs, renouvelle aujourd'hui l'engagement de l'amour. Fais qu'il soit au cœur du monde l'icône de la Trinité et l'image de l'alliance de ton Christ avec l'Église. Nous t'en prions, Seigneur. Oui, s'asseoir. Nous allons demander à ceux qui ne sont pas ici avec leur conjoint, qui sont seuls, soit parce que le conjoint est absent, soit parce que le conjoint les a quittés pour la vie éternelle, soit parce que le conjoint les a quittés tout court. Nous leur demandons de se lever et nous prions sur eux. Oui, Seigneur, console et bénis ceux qui sont séparés. Donne-leur l'espérance de l'amour éternel, où tous les couples, toutes les familles seront réunies en toi, Seigneur, pour chanter ta louange. Oui, bénis-les, Seigneur, bénis-les, nous t'en prions. Toi qui aimes ceux qui s'aiment, car tu es ceux que tu appelles, Seigneur, dans la vie religieuse, à témoigner au cœur du monde et en communauté de l'absolu de ton amour. Donne, Seigneur, de vivre joyeux l'engagement de la virginité, de la pauvreté, de l'obéissance, et fais qu'il soit tellement attiré que de nombreux jeunes viennent derrière eux pour s'engager. Nous t'en prions, Seigneur. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je et ceux que tu appelles, Seigneur, dans le laïcat, à vivre en communauté pour témoigner de ton Église. Ces communautés nouvelles qui sont le signe d'une Église vivante, joyeuse et rayonnante. Ils se lèvent, que nous les voyons.
et sur eux, nous te prions pour que, Seigneur, tu leur donnes d'être vraiment les témoins du monde nouveau qui s'avance, ce monde où les béatitudes seront la seule loi de la vie. Bénis-les, Seigneur, nous t'en prions, bénis-nous. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je Et cela, Père, que tu appelles à cette vocation exigeante et difficile, rayonnante et servante, d'être célibataire au cœur du monde. Ceux que tu as appelés à cette vocation de célibataire au cœur du monde, qu'ils se lèvent maintenant. Sur eux, nous prions. Nous prions parce que tu as un projet sur eux, Seigneur, et tu veux que là où ils sont, ayant libéré un peu leur temps, qu'ils soient vraiment serviteurs de leurs frères, et nous te demandons la puissance de ta charité en leur cœur pour qu'ils soient vraiment au service de leurs frères et de l'Église. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Dans le cœur de l'Église, sur les jeunes, Seigneur, nous te prions, ceux-là qui disent aujourd'hui oui à leur vocation de demain, les jeunes ou ceux qui se croient tels se lèvent. On est jeunes à tout âge, ceux qui aujourd'hui ne savent pas encore leur vocation, mais qui la connaîtront demain. Aujourd'hui, ils te disent oui, Seigneur, à leur vocation de demain, et sur eux, Père, nous te prions. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Nous nous asseyons. Nous te prions.